Cette vidéo s'intitule je vais vous montrer ma petite, parce que maintenant une vidéo je l'aime bien, ça me fait je l'aime aussi, mais en fait ça va être la petite routine du soir pour elle, non pas pour moi quoi, pour elle. Donc là nous sommes dimanche et nous sommes le soir, on va dire. Je commence pas avant. Fin d'après-midi, on va dire plutôt, et je vous montrerai un petit peu tout ce que je fais avec elle. Donc, j'ai une autre fille, et peut-être que je ferai la routine après avec elle, mais après, d'abord, je fais d'abord avec cette jolie petite fille. Non, mais elle est vraiment trop jolie. Regardez-moi ça. Donc, je vous montrerai après comment je l'habille. Du coup, c'est parti. Donc, elle est habillée. Là nous sommes dans ma chambre. Elle est habillée avec un joli petit gilet avec des fleurs, mais genre mais trop beau le gilet quoi. Donc, on ouvre les boutons, puis un petit t-shirt, j'ouvre pas les boutons mais je n'ouvre qu'un. Il y a un joli petit t-shirt lapinouf comme ça, puis derrière ça le t-shirt il est comme ça. Puis ensuite elle a un petit pantalon tout simple qui est trop chou, trop cute pardon. Ensuite elle a sa petite tutute, voilà. Puis son doudou que j'adore trop. Donc là on va aller jouer dans la pièce de jeu en fait. Donc, on va aller jouer on va dire après là-haut quoi. Donc là elle va jouer dans sa chaise que j'ai. Donc déjà elle va manger, puis après elle va aller jouer dans sa chaise que j'ai ici en bas, puis après elle va aller jouer avec tous ses joujoux là-haut. Donc je vais la mettre ici, puis je vais lui préparer à manger, etc, etc. Let's go. Donc je vais lui préparer à manger. C'est un bébé, enfin c'est logique. Donc je lui donne pas un bibi. Si je peux me jeter. Je donne un bibi, mais là elle avait pas envie de bibi. En fait, oui. Elle avait envie d'un petit truc, un petit yaourt, on va dire, que j'ai vidé dans un verre. Donc je vais vous montrer, hein. Donc, je vais vous montrer. Voilà, il y a du yaourt. On voit bien qu'il y a du yaourt dans le monde. Hop. Du fromage blanc, mais fondu, parce que vous savez, les bébés ne mangent pas. Donc, j'ai dans ma voix. Il est où le bavoir? J'arrive, j'ai oublié le bavoir. Je vais bavoir. Je vais demander à ma mère où j'ai mis mon manteau. Parce qu'en fait, j'avais pris un bavoir de manteau. Ah. Maman, il est où mon manteau? Ah, il est là. Parce que j'ai besoin de mon manteau. Mais non. Parce que j'ai envie. Bah, si elle va dehors comme ça, c'est qu'il y a un. Non, bah, tu le mets dans ta chambre, ton manteau. Non. Tu peux aussi. Il vient d'où ça? Benjamin qui me l'a donné. Donc, c'est bon. J'étais chercher le bavoir. Donc, c'est la première fois que je vais le mettre. C'est le bavoir à Jeanne. Donc, hop. Et aussi, j'ai sa chaise. Donc, voilà. Enfin, c'est pas une chaise haute, mais moi j'appelle ça quand même une chaise haute. Alors, voilà. Donc, c'est pour les bébés. Apparemment, il faut l'attacher sur une autre chaise. Enfin, sur une grande chaise en fait. Mais moi j'ai pas envie de l'attacher sur une grande chaise. Sinon en fait, hop, tu mets comme ça, puis les bébés sont dessus. Mais moi j'ai pas envie en fait de l'attacher sur une grande chaise. Parce qu'en plus ça me prendra de la place. Hein. Juste comme ça quoi.
donc je vais la mettre dedans. Mais vraiment, si vous ne croyez pas, c'est pour vrai bébé, vraiment. On montrera des photos si vous voulez, mais c'est vraiment pour vrai bébé, quoi. Donc on m'en attache un, puis je vous montre les attaches. C'est vraiment... Ah putain, je me suis fait mal à l'ongle en le fermant. Oh, je me suis fait mal. C'est pas grave. J'ai pas dit. Je vais dire, on va dire. Là même, il y a des attaches. Une là. Pour attacher. Comme ça, derrière la chaise. Je m'en bats. Te barre pas, s'il te plaît. Voilà. La chaise. Ah, c'est quoi cette chaise? Attends, c'est juste qu'il y a eu un petit problème. La chaise, c'est... Voilà. C'est bon. Donc, ensuite, je vais lui mettre son bavoir. Où son bavoir? Hop là. On va te mettre ton bavoir, ma chérie. Donc là, c'est le... C'est le goûter, hein. Peut-être que la vidéo, je la ferai en deux parties tellement qu'elle est longue. Donc c'est des petites cuillères comme ça, hein. Il y a vraiment du truc dedans. Donc c'est parti, on va y donner à manger. Après avoir fini de lui donner à manger. Et voilà ma petite boubouille. Hop, on t'a sur la bouche parce que dis, t'en as plein partout. On te laisse dans ta chaise, dans ta siège. On va te laisser là dans ta petite chaise, comme t'es bien. Et moi, en attendant, je vais aller nettoyer ça. J'arrive. Voilà, j'étais mettre ça à laver. Hop. Donc là, on va jouer avec sa chaise. Voilà quoi. Enfin, pas celle-là, mais l'autre. Une autre. Cette chaise-là. Donc on voit bien qu'on est dans la pièce, hein, quand même. Parce qu'il y a des plumes là, puis il y a mon cartable là. Donc, je vais la prendre. Allez, j'arrive. Je sais pas si vous entendez, mais ça c'est... Là, il y a un petit réveil qu'on peut tourner. Oui, regarde. Là, il y a un petit livre et quand vous tournez, ça fait direct la affichée. Ou après, vous pouvez appuyer comme ça, mais c'est mieux comme ça. Que tu dis. C'est chiant. Comme ça, c'est très nice. Un bébé. Après avoir fini de jouer. Donc voilà, on a fini de jouer. Elle a fini de jouer. En même temps, elle a digéré, en fait. Je la mets beaucoup sur sa chaise, le temps qu'elle digère. Voilà. Donc là, on va aller là-haut. On va aller jouer avec tous les jouets qu'elle a. Puis on dit à tout à l'heure. Quand on a terminé de jouer. Donc voilà les amis, on a terminé de jouer en haut. Donc je vais pas changer de place parce que j'ai pas amené la tablette en fait en haut quoi dans ma caisse de jeu. Donc j'ai peut-être enlevé son avant en fait parce que tout à l'heure elle arrête pas d'y toucher. Donc là il est. Il est 6h. Donc c'est déjà l'heure de lui donner les biberons. On passe beaucoup de temps où il a joué entre nous deux comme ça. Puis aussi en fait, j'ai pris du temps aussi. J'ai couché. Puis j'ai pris du temps aussi pour faire mes devoirs. Voilà, donc là je vais vous donner à manger. Vous savez comment je vous donne à manger, ça va être un bibi. Vite fait. A tout de suite. Quand le bibi était fini. Voilà, le bibi est fini. J'ai pas oublié de lui enlever le bavard. Donc elle a encore fait dans sa chaise pour digérer encore. Je vous dis à chaque fois, je vous digère encore.
j'en ai profité pendant qu'elle jouait aussi de faire une vidéo. Oui, voilà, de faire une vidéo. Donc là, je vais la mettre à jouer, puis faire mon montage de vidéo sur mon ordi. Voilà. À tout de suite. Ensuite que j'ai fini de faire mon montage d'ordi et que la puce a fini de jouer. Voilà les amis. Nous rentrons ici. Voilà. Avec la puce. Donc je vais aller la mettre en pyjama, puis la coucher. Et ensuite qu'elle est couchée, qu'elle est mise en pyjama, bah je dirais à tout de suite. À tout de suite. Ensuite qu'elle est couchée et qu'elle est bien en train de faire dodo, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Let's go. Donc voilà, elle est couchée, donc je parle pas trop fort non plus parce qu'elle est juste là, juste en dessous là, donc je vais pas parler trop fort. Moi je vais vous dire à la prochaine. Fermer les rideaux. Vous allez, ça va être sombre en fait après. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc elle entend un petit peu pourrer. Parce que bah elle aime pas la lumière quand elle dort. Donc je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Bisous.